Bonjour, je suis le docteur Milocho Génie-Claude. Je suis chirurgienne cancérologue à l'Institut du Sein Paris. Bonjour, je suis le docteur Anne Sabaïla-Ollier. Je suis chirurgien cancérologue à l'Institut du Sein Paris. Un examen clinique de vos seins ou palpation est recommandé de façon annuelle par un professionnel de santé dès l'âge de 25 ans. De 50 à 74 ans, une mammographie est recommandée tous les 2 ans en l'absence de facteurs de risque et cette dernière pourra être complétée par une échographie. L'autopalpation, c'est très important. C'est un premier élément qui peut être réalisé à domicile par la femme plusieurs fois par an et qui va permettre éventuellement de mettre en évidence une lésion de façon plus précoce. Néanmoins, l'autopalpation est quelque chose parfois difficile, notamment chez les femmes qui ont des seins denses ou des nodules. N'hésitez pas à aller voir votre médecin pour plus de précision. Si vous avez moins de 50 ans, il faut aller voir votre médecin traitant ou votre gynécologue de façon annuelle pour un examen des seins. Il refera le point avec vous sur vos antécédents personnels et familiaux et pourra être amené en fonction à vous prescrire des examens avant 50 ans. Dans le cadre du dépistage, toutes les mammographies sont lues 2 fois par 2 radiologues indépendants pour s'assurer qu'elles sont strictement normales. Si vous ne recevez pas les invitations par la CPAM, vous pouvez prendre contact avec votre médecin traitant ou votre gynécologue qui vous prescriront une mammographie ou les examens adaptés. Si une anomalie est détectée à la mammographie, une biopsie va être réalisée pour déterminer le type de lésion en question. En fonction de cette anomalie, il sera nécessaire de voir le chirurgien pour décider de la meilleure stratégie de prise en charge, qu'elle soit d'abord chirurgicale ou médicale. La mammographie et l'échographie sont des examens différents. Ils permettent donc de voir des choses différentes. Une lésion pourrait être vue en mammographie et non vue en échographie, et inversement, ce sont donc des examens complémentaires. Pour traiter le cancer du sein, on a un arsenal assez vaste de traitements qui repose principalement sur la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et les thérapeutiques ciblées. Un message à retenir, le dépistage est essentiel. En cas de doute, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste.